Alors, pour notre dernière petite vidéo, alors elle est plus simple, plus rapide. Un petit récapitulatif sur le côté à lire quand même pour voir comment il a évolué petit à petit. Je vous conseille de la lire parce qu'il y a aussi une information qui vous permettra de répondre à la première question. Un petit texte sur sa carrière militaire, en quelque sorte. Alors, on ne va pas trop parler de la fin parce qu'on en parlera mieux une prochaine fois, c'est-à-dire comment il a réussi à prendre le pouvoir en quelque sorte. Mais on vous pose cette question, hein, n'hésitez pas à lire, j'ai bien dit la petite phrase sur le côté. Quelle glorieuse campagne raconte César lui-même dans ses Commentarii de Bello Gallico? Traduisez ce titre. Bello, c'est bellum, vous connaissez ce mot. Gallico, vous pouvez tout à fait deviner à quel pays ça fait référence. Et Commentarii, c'est transparent. Donc. Et en plus, vous avez une aide sur le côté. Donc, il suffit de traduire le titre et vous voyez ce qu'il a raconté. Très intéressant parce qu'on avait déjà vu que César, en fait, il va utiliser ce qu'on appelle la propagande. Et la propagande, il va l'utiliser à travers l'écriture de livres et entre deux livres sur sa propre vie. Alors, on peut imaginer quand même assez romancé et vraiment de manière forcément subjective, hein, c'est le principe de l'autobiographie. Bon, là, pas forcément une autobiographie au sens où il raconte des détails de sa vie, mais en tout cas, c'est plus romancé. Il va faire mettre en scène, il va se faire mettre en scène comme étant un grand général. Très intéressant au niveau de la propagande et de l'image qu'il va donner de lui, et surtout pour l'histoire, hein, pour ce qu'il va faire, qui va être connu finalement à travers les siècles. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Traduisez, expliquez. C'est un roi. Là, on va s'intéresser plutôt à l'étymologie du mot dictateur en latin. Dictator, dictatoris, c'est un mot masculin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un ancien consul choisi à titre exceptionnel par le Sénat pour dicter toutes les décisions à prendre dans une situation de crise grave. C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui quand on déclare l'état d'urgence dans un pays et que donc certaines lois, certains dispositifs prennent moins de temps parce qu'on a besoin. Alors, il y a eu plusieurs code rouge, on va dire important, par exemple pour les attentats, mais également pour la COVID. Donc, dans ces cas-là, il va y avoir un certain nombre de processus qui vont être simplifiés, limités, pour réagir plus rapidement. Donc, souvent, c'est des moments un peu de contestation aussi dans le peuple, là, souvent, on s'inquiète forcément. Comme on prend des décisions plus rapides, peut-être avec moins de temps, peut-être qu'on a toujours peur du glissement. On va peut-être prendre trop de pouvoir, le pouvoir va s'imposer à nous, moins dans la légalité. C'est déjà le cas à l'époque et c'est pour ça qu'il y avait un glissement petit à petit. Parce que César a évidemment profité d'une période, d'une situation de crise pour devenir dictateur. Mais dictateur, c'est quelque chose qui est prévu par la loi et par la République. Et puis, petit à petit, il va y avoir un glissement. Et c'est aussi pour ça que le mot dictateur va petit à petit changer de sens, évidemment. Quel sens il a aujourd'hui? Vous avez déjà entendu parler, vous évidemment, la Seconde Guerre mondiale et autres, dictateur, donc c'est le moment d'en parler. Et enfin, là, que lisez-vous sur le denier? Le denier, c'est la pièce que vous avez ici. Ce qui est intéressant, vous n'avez peut-être pas la première lettre qui est là, c'est un P. Alors, ça, vous pouvez lire, hein, la forme du V, c'est aussi un U. De l'autre côté, vous repérez facilement le nom. Et là, vous avez des ICT. Donc, si vous utilisez au-dessus votre petite chronologie, vous pouvez deviner au moins à peu près quelle va être la date de fabrication de cette pièce. Soyez malin, parce que le dernier mot, il est abrégé, évidemment. Et voilà, on en finit là-dessus pour aujourd'hui. Alors, je vous conseille de répondre à ces questions une fois que vous avez bien compris. D'y répondre pendant l'heure du mercredi matin. Ça vous évitera de prendre trop de temps si vous voulez le faire en direct, évidemment, aujourd'hui. Ben, c'est possible. Donc, bon courage à tous. En attendant, de vous revoir. À bientôt.